passionnant de pouvoir débattre avec des étudiants, avec de jeunes citoyens et puis de moins jeunes, puisque c'est un débat très ouvert ici. C'est très positif, dire ce qui va, dire ce qui ne va pas, dire où on en est. Et donc ce type de débat, évidemment, sont une opportunité extraordinaire. Ben, j'ai beaucoup apprécié pouvoir être ici avec le secrétaire d'État. C'est toujours dommage qu'on a trop court de temps parce qu'on aimerait développer les réponses, mais aussi il y avait beaucoup de questions qui n'ont pas pu être posées à cause du temps, malheureusement. Mais ça a été un très bon débat et une très bonne expérience. L'échange avec la salle, j'ai trouvé qu'il était vraiment très constructif et j'ai surtout trouvé que le secrétaire d'État et la commissaire ont vraiment joué le jeu de répondre à chacune des questions. C'est un moment très constructif de faire venir des personnes aussi haut placées pour nous parler d'un sujet qui est un peu délicat dans une université. Je pense que c'est, ça nous a apporté, nous, en tant qu'étudiants, et aussi à toutes les personnes extérieures qui sont venues, qui ont pu intervenir. Et c'était un vrai débat, puisque c'était une forme de masterclass, des questions, des réponses. Donc c'était assez vif et plutôt intéressant, je pense. En tout cas, c'était intéressant d'aborder le débat avec des informations qu'on n'avait pas forcément dans le débat public en général. On a parlé de sujets qui concernent directement la vie des citoyens, qui concernent directement la démocratie, la souveraineté des États, le développement des sociétés dans la mondialisation. À mon avis, l'enjeu premier de ces dialogues, c'est permettre au public dans la salle de poser toutes les questions, parce qu'ils ont le droit de les poser, ces questions, et visiblement, en face, ils sont d'accord pour y répondre.